brocoli. Oh là là, oh my god, Lily, t'as trouvé! Je suis allergique à tous les légumes, surtout les brocolis. Non. Si. Mais non. Mais si. Oh, je suis désolée, Lily, mais je peux pas te laisser dire ça. Mais pourquoi? Mais la sauce cocktail, c'est juste de la mayo et du ketchup mélangé. Ça peut pas être dans le best. Ok, ok, alors on met cocktail dans trop bon. Validé. Bon, on est d'accord que Samouraï, ça va direct dans... Les best. Ensuite, une sauce qui divise. La tartare. Ah, moi perso, j'adore. Non, ouais, moi aussi. Bon, allez, ça va dans trop bon. Hop. Ensuite, la sauce Brésil. Oh ouais, avec son petit coup d'ananas. Oh oui, pour tremper les nuggets. Mmh. Allez, ça part dans trop bon aussi. Dis, Lily. Oui? Tu trouves pas qu'il est un peu bizarre, notre classement? Bah si. On n'a rien mis dans beurre et bof. À part la sauce curry ketchup. Ouais, c'est vrai. C'est parce qu'on aime tout. Pour que ça aille dans beurre, il faudrait que ce soit une sauce genre goût brocoli, asperge. On va devoir en parler plus tard, Rocky. Là, c'est l'heure du... colis mystère. Oh, trop cool. Qu'est-ce que c'est? On dirait un bouquet de fleurs. Enfin, on nous offre des fleurs. Un beau colis qui fait plaisir. Peut-être, mais si c'est un bouquet, il n'a pas l'air très bien emballé et pas très frais non plus. Oh, ou alors c'est peut-être un cadeau en rapport avec le jardinage. Vu que c'est le printemps, tout ça, tout ça. Oh, ou alors des bombes de bain. Tu sais, les boules qui sentent bon et qui font dans le bain, ouais, en mode... C'est une bonne idée, parfois, il y a des fleurs dedans. Et vous, vous pensez qu'il y a quoi dans le colis du jour? Un bouquet de fleurs printanières? Des outils de jardinage? Ou des boules de bain? Allez, allez, on ouvre. C'est parti. Faites que ce soit les boules de bain. Tu l'attrapes? Bon, on avait raison. Ce sont des fleurs. Oh, mais enfin, elles ont une sale tête, ces fleurs. Ouais, c'est pas tout. Regarde, Rocky, il y a des mouchoirs sales. Oh, mais beurre, cœur. C'est pas une poubelle ici, hein. Attends, il y a une lettre. Elle vient d'un amigo qui s'appelle Victor. Oh, salut, Victor. D'ailleurs, les amigos, regardez bien jusqu'à la fin de l'épisode pour savoir qui est l'amigo du jour. Que nous dit Victor? Salut Rocky et Lily, j'espère que vous allez bien. Ouais, ça va plutôt pas mal. Bon, à part ton colis, il est un peu bif-bof. Attends, il nous explique. Je suis super content que ce soit le printemps. Mais mon grand frère n'aime pas du tout. Il a le rhume des foins. J'aimerais bien en savoir plus. Pouvez-vous m'aider? Bisous. Mais bien sûr qu'on va t'aider. Enfin, ça dépend. C'est quoi le rhume des foins? C'est contagieux? Ah non, pas du tout. C'est une allergie au pollen. Quand on a une allergie, ça veut dire que notre corps ne supporte pas quelque chose. Il le prend pour un microbe, alors le corps réagit. Il réagit comment? Genre comme ça? Ah non, non. Mais non, n'exagère pas. Le nez coule, ça gratte et ça fait un peu gonfler. Oh, mais ça a l'air super désagréable. C'est vrai. Et un Belge sur trois a une allergie. Oh, mais c'est dingue. Hey, t'as une allergie, toi? Ah, moi non. Mais Baptiste, le stagiaire météo, il a la même que le grand frère de Victor. À tes souhaits, Baptiste. C'est l'allergie la plus répandue au monde. Les autres super répandues sont celles aux poils de chat, à la poussière et aux fruits à coque. Comme les cacahuètes, par exemple. Oh non! J'adore le beurre de cacahuète, moi! Oui, et surtout, l'huile tirée des cacahuètes est utilisée dans plein de produits qu'on consomme tous les jours. Donc, quand on a cette allergie, il faut faire très attention à tout ce qu'on mange et bien lire les ingrédients. Dès qu'il y a un risque, qu'il y a des traces de cacahuètes, faut surtout pas manger. Ça veut dire qu'on peut pas en manger du tout? Non, sinon on réagit direct. Oh là là, mais ça c'est vraiment pas cool. T'aurais pas une allergie, toi? Moi, bah non, enfin... T'es certain? T'as mangé quoi ce matin? Bah, normal quoi, de la mousse au chocolat, deux, trois autres bricoles, et puis voilà. Je crois qu'on va devoir faire une petite expérience pour vérifier ça. Oh, ah bon? Alors, qu'est-ce que tu penses de cette petite ambiance marché? C'est pas mal, non? Ouais, c'est pas top top. Bah, j'adore voir tous ces produits frais de saison et justement,
On va voir ce qui te rend allergique, Rocky. Mais comment tu veux faire ça, Ali? On va faire comme si on était des allergologues. Ouais. Les médecins spécialisés dans les allergies. Ils ont des méthodes très efficaces pour dépister les allergies. Mais nous, on va le faire à notre façon. Ouais, ouais. Je vais te faire renifler plusieurs choses et on verra celle qui te fait éternuer. On commence par quoi? Les desserts. Je m'en doutais. Oh. Est-ce que tu es allergique aux produits laitiers? Non, ça me fait rien. Enfin, ça me donne un peu faim, quoi. Mais ça, c'est normal. Bon, il n'est pas allergique aux produits laitiers. Mais Rocky, t'as mangé toute la glace. Oh ouais, j'avoue. Oh, c'était grave bon. Le petit crunchy de la pistache, tu m'en viens. Heureusement que t'es pas allergique. Allez, on teste le chocolat aux amandes. Non, ça me fait rien. Ok, je note. Mais Rocky, j'y crois pas. T'as mangé tout le chocolat? Bah, normal, en même temps. Et je suis pas allergique. On passe aux légumes alors. Okay. J'ai comme l'impression qu'il sera moins gourmand tout d'un coup. Poireau. Achou. Oh là. Chicon. Achou. Oh, zut. Brocoli. Achou. 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 Oh, oh là là. Oh my god, Lily, t'as trouvé. Je suis allergique à tous les légumes, surtout les brocolis. C'est bizarre quand même, parce que j'ai jamais entendu parler d'allergie à tous les légumes. Ah bon? Ben, y a moi, apparemment. Si je tape allergie bizarre, sur quoi je tombe? Il y a des gens qui sont allergiques au soleil. Oh, pas fun pour les vacances, quoi. Non, c'est clair. Il y a des gens aussi allergiques à l'eau. Oh, mais c'est horrible. Il y a même des gens qui sont allergiques au téléphone portable, à cause des ondes. Oh, c'est galère. Heureusement, la majorité des allergies se soignent. Oh, ouais, c'est une bonne nouvelle, ça, pour le grand frère de Victor. Par contre, pour moi, c'est trop dommage. Oh, je pourrai plus jamais manger de brocoli de ma vie. Oh, la loose, quoi. Ouais, c'est super dommage. Surtout que Sylvie nous a laissé un message tout à l'heure. Tu l'as écouté? Non. Salut vous deux! Vite, j'ai fait le menu de la semaine prochaine et j'avais pensé à un gratin de brocoli double fromage fondu, crispy bacon et sauce samouraï. Rocky, je te garde une grosse part. Double fromage fondu, crispy bacon et sauce samouraï! Et brocoli! Rocky, c'est dommage! Tu pourras pas en manger parce que t'es allergique! Ah bon? T'es sûr? Même pas un petit peu? Parce que double fromage crispy bacon quand même! Ah ben non, si t'es allergique au brocoli, c'est impossible! Si t'es bien allergique, n'est-ce pas? Si t'as pas fait semblant? Non, j'ai pas fait semblant, je suis allergique! Enfin, je crois! Je sais pas! Oh, allez, s'il te plaît, une toute petite bouchée. Ça dépend. T'es allergique ou pas? Ah bon, d'accord, je reconnais. Je suis pas vraiment allergique. Et en fait, j'adore les brocolis quand ils sont recouverts de fromage fondu, de crispy bacon et de samouraï. Quand on sent pas leur goût, quoi. Ah bien, voilà une bonne nouvelle. Mais la prochaine fois. Et vous, vous avez des allergies? Des vraies? Lesquelles? Racontez-nous comment vous les gérez et dites-nous tout sur WhatsApp. Vous serez peut-être l'amigo du jour. Comme Rania! Bravo Rania! Il est beau ton dessin avec ce grand cœur. Oh ouais, merci! Et maintenant, c'est l'heure de... La Corée de Rocky et Lily! T'as des brocolis dans les oreilles. Quoi? Tu as des brocolis dans les oreilles. Hein? T'as des brocolis dans les oreilles. Parle plus fort, Rocky, tu vois bien que j'ai des brocolis dans les oreilles. Oh.